Eh bien, nous voilà donc dans le lobby de l'établissement. Je dirais que c'est le poumon du Royal. Siège de la réception de la conciergerie, c'est là où tout se passe. L'établissement a été construit en 1909 pour le roi Édouard VII. Il n'y a jamais séjourné d'ailleurs, malheureusement il est décédé en 1910. Rénovation complète du lieu en 2014. C'est un palace, donc il faut qu'il y ait tous les codes du palace et tout le confort qu'on attend dans ce genre d'hôtel. Mais à la fois aussi, c'est une maison de famille parce que les gens font des longs séjours ici et ils viennent depuis très longtemps. Donc c'était très compliqué parce qu'ils s'attendaient, ils avaient très peur qu'on change un peu leur lieu. Donc la chambre ici même est la partie dressing. Et donc là, la vue imprenable sur le Léman, et là, on domine véritablement le Léman, tel un paquebot qui va le fendre. Hein. C'est un peu l'image que je m'en fais. Ce surplomb est véritablement impressionnant. On découvre la montagne de ce côté-ci, et donc toute la partie suisse en face, c'est vraiment une vue imprenable. Et ça, je pense qu'on ne peut trouver ça nulle part ailleurs.